en préambule à toute chose, je te propose de déposer ici toute ton attention, quelques instants, juste là, sur l'herbe fraîche d'un préambule, un pré-vers de poésie, posé ici ou là, comme un prélude à l'observation, à l'exploration de cette couleur intense, celle qui te permet de t'évader ou de te prélasser peut-être déjà, et d'observer ce qui vient de se poser là, juste sur le bout de ton nez, sur les joues, une myriade de petites bulles fabuleuses. Chacune de ces bulles est unique, merveilleusement singulière. Observe notamment les formes différentes, les tailles, le mouvement, les couleurs, les reflets, bullement beaux, délicats. Le vent souffle légèrement, suffisamment pour qu'elle virevolte un peu, ici ou là. Puis observons les bulles. Elles amorcent leur atterrissage. 5, calmement. 4, assurément. 3, délicatement. 2, légèrement. 1, précisément. 0, profondément bien installé, les bulles viennent se poser sur les herbes et les pétales de fleurs, ici ou là. Simplement poser, comme on pose une oreille délicatement, comme pour écouter un secret. La voix, les voix, là où chaque bulle est un monde en soi, un message, une ressource possible. Chaque bulle est le préambule d'un voyage hypnotique en soi, un prétexte pour dialoguer et contacter en profondeur tes sensations, toutes tes ressources. Et tu peux simplement savourer ces sensations pendant que ton esprit conscient déambule et écoute ce chant des possibles et t'apporte ce qui est utile aujourd'hui, là, aujourd'hui et demain, ce qui est utile dans quelques minutes ou dans quelques jours.
Y a-t-il un lieu plus sûr et savoureux que cette merveilleuse bulle qui vole en toute liberté, parfois légère aux multiples couleurs, parfois amusante sur les rivages de ces plages où les vagues jouent et les font danser, un peu comme un funambule entre deux rochers, beaucoup de grâce, de beauté. Tu ressens l'énergie de cette bulle, sa fluidité qui t'emmène loin, très loin, au plus près de tes ressources, parfois somnambule qui, comme l'air dans l'océan, vient à la surface, bulle par bulle. Elles dansent autour de toi et ne font qu'un avec toi, légères et fluides. Vous virevoltez ensemble, joyeusement, dans un mouvement nouveau, une nouvelle aventure. Viens, je t'emmène pour une balade au clair de lune. Une bulle de clarté dans un clair de lune reflète dans l'eau claire cette bulle de lumière. Légère et brillante, elle t'enveloppe d'un filament doux et apaisant. Bulles dorées, bulles argentées, le ciel étoilé d'une douce nuit d'été t'invite à danser dans l'immensité généreuse de l'univers. Et peut-être déjà, tu ressens la tranquillité qui diffuse ici ou là un agréable sentiment de paix intérieure. Souvenir de ce voyage dans cette bulle de lumière, ressource inépuisable que tu peux garder précieusement à l'intérieur de toi. Connaissez-vous le haïku, ce très court poème japonais célébrant la vie? Trois segments de syllabes, trois lignes calligraphiées, un souffle vertical ou horizontal. Délicat haïku, posé là comme un oiseau, en équilibre parfait sur sa branche. Simple inspiration de l'émotion du moment. Tout juste peut-on se dire que l'écho sonne bien, le rythme est agréable, à moins que, subtilement effleuré, l'inconscient se laisse surprendre, le temps de cette seule respiration. Étonnement, suggestion, alliance du zen, de l'inattendu, de la saison, voyage des sens, images et émotions. Haïku touche sa cible en plein cœur, celle de notre âme. Perspective nouvelle sur le monde. Haïku. Lumineux message, écho intérieur, cathartique dans sa plus simple expression. Et si votre main, celle qui est posée juste là, entendait votre esprit intérieur le temps d'un souffle, pour assembler cet haïku de l'instant présent vécu, instantané du moment, jaillissement de la vie, comme si, le temps d'une clochette de campanule, vous regardiez le monde à travers une bulle. Maintenant, regarde cette bulle. Oui, celle-là, tout irisée et vibrante. C'est une bulle magique. Approche-toi. Regarde bien. Tu vois, là, le colibri, si léger, au plumage métallique, multicolore. C'est l'oiseau-mouche. Le seul à dépenser autant d'énergie à rester immobile. Observe, écoute bien. Avec son bec trompe, il recueille son précieux nectar de vie dans cette fleur bleue magnifique. Sois curieux de ressentir en toi, à chaque respiration et dans toutes tes cellules, ce nectar si précieux.
Et voilà une autre bulle. Une bulle pour se poser. Se reposer. Une bulle nouvelle pour se laisser poser en toute sécurité. Vert tranquille ou intense, vert pastel ou aquarelle. Poser à son rythme, puis laisser décanter. Puis transformer. Forme nouvelle, forme différente, totalement naturelle, autour d'autres bulles, bulles utiles. Quitter les sentiers battus et s'offrir une parenthèse enchantée. Vous prenez plaisir à fouler cette plage lumineuse et éblouissante. Oui, vous vous sentez bien sur cette plage, libre et léger, comme ce sable qui s'écoule lentement entre vos doigts. Vous sentez la brise qui contourne votre visage, comme une caresse, pour s'installer en vous, tout en douceur. Des bulles de soleil qui s'échappent des algues, déjà réchauffées, viennent chatouiller vos orteils et pétillent jusque dans vos mollets, vous réveillent, vous émerveillent, vous transcendance même. Cette symphonie du bord de mer pénètre naturellement, comme des milliers de bulles d'oxygène, accrochées à leurs globules, pour se diffuser, s'instiller, comme un goutte à goutte dans chaque petit vaisseau de votre corps. Welcome in my golden bubble. In this fresh and sunny boudoir atmosphere, and dare draw on this wealth close to the heart of your deep resources, in your inner treasure, open wide, sparkling with a thousand fires. And you can now leave this bubble with your glittering hands. Badabule, en m'étirant trop fort, je me suis encore envolé. Maintenant que je suis sur le toit de ma maison, j'en profite pour me balader. Je vais faire un tour en Australie. Il y a beaucoup de sable là-bas. Les rocheuses sont bariolées de jaune orangé. Je pars ensuite à une autre époque, étudier les dinosaures. Je marche à côté d'un tyrannosaure. Je le vois, mais il ne peut pas me voir. Je pense alors à cette célèbre citation d'Harry Potter. Mais professeur, est-ce que tout ceci est réel ou ça se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? Bienvenue les amis, bienvenue par ici,
dans cette petite bulle de jazz, bidoubam, bidoulap, yep, 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 et de blues aussi. Et je vois l'horizon infini, et j'entends l'océan, et je sens le soleil sur la peau, et les petites bulles dans le dos, les petites bulles de jazz, bidoubon, bidou. Yeah. Et de blues aussi. Cadeau, cette bulle que je te laisse vierge de tout récit. À toi maintenant de la faire voguer ou s'envoler aussi loin que tu t'en sens l'envie. Je me demande vers quel paysage elle va te transporter. Est-ce loin ou tout près d'ici? Quelles seront les senteurs qui t'accompagneront et viendront peut-être émoustiller tes narines? Par hasard, seras-tu surpris par certaines saveurs laissées sur tes papilles? Allez, n'hésite plus, remplis cette bulle. C'est à toi d'imaginer. Et dans ce tourbillon, qu'est actuellement la vie des soignants, comme on les appelle, des soignants, il importe de ne pas être trop soignant, de ne pas nier son soin, son soi-même, pour y trouver toutes les ressources et s'offrir des moments de bienveillance envers soi, s'offrir ce panier de bienveillance. Surtout, s'offrir ces moments pour toi, à chaque instant où cela sera nécessaire, et observer quand cela t'est utile. Un panier rempli de toutes ces paroles, de tous ces sons et musiques, rempli de ces petits moments qui font que la vie est belle, ces petits moments de respiration, d'inspiration, d'expiration, à son rythme, tranquillement, moment où l'on peut retrouver et récupérer toute sa force, toute sa vitalité, et retrouver ces moments pour les projeter dans un avenir à venir, pour transformer les souvenirs passés en moments présents, en moments futurs, et retrouver des moments futurs. Des moments futurs dans le passé, des moments passés dans le présent, et tout en étant bien présent à chaque instant où cela est nécessaire. Par exemple, bien présent au travail, bien présent en famille, bien présent à soi-même. On peut de façon automatique et simple retrouver cette force qui permet de se reposer et qui permet de retrouver toute l'énergie nécessaire à être bien. À prendre soin de soi, être soignant. Et maintenant que tu vas pouvoir intégrer toutes ces capacités et savoir qu'à chaque instant, quand tu en auras besoin, il suffira de réimaginer l'une de ces bulles et d'y trouver toutes les ressources nécessaires. Ressources qui permettent de récupérer toute sa force et retrouver les moments de bonheur pour les projeter dans un avenir à venir.